salut à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Le futur est déjà là, ou presque là, puisque Amazon vient de nous présenter de nouveaux objets connectés, dont une bague. Alors, Amazon est en train de présenter de nouveaux objets connectés, et on connaît déjà le Amazon Echo, les petites enceintes connectées, là, avec Alexa dessus. Mais Amazon continue dans cette optique de commercialiser des objets connectés. Donc, ils ont présenté les lunettes connectées Echo Frames, qui vous permettent d'avoir des vrais verres correcteurs dessus. Ça, c'est une révolution. Genre, si vous êtes déficient visuel, vous pourrez avoir ces lunettes Amazon connectées. Ça va marcher parce qu'elles n'ont pas d'écran. Donc vous pouvez mettre des verres correcteurs. Ce sont des une monture en fibre de carbone, un poids de 31 grammes. C'est super léger. En gros, ce sont des lunettes intelligentes avec des micros et compatibles avec l'assistant vocal Alexa. Alors sur ces lunettes-là, par contre, il n'y aura pas de caméra. Ça, c'est net et clair, il n'y aura pas de caméra. Alors revenons sur cette fameuse bague. Oui, une bague, vous imaginez sur votre doigt une bague connectée, c'est absolument incroyable. La bague s'appellera tout simplement Echo Loop, voilà, puisque elle intégrera un micro et un haut-parleur, tout simplement pour pouvoir demander à Alexa et qu'Alexa puisse nous répondre. Elle se connecte à son smartphone, donc n'importe quoi, iPhone, Android, tout ce que vous avez comme smartphone dans la poche. La bague sera également équipée d'un vibreur et elle vibrera quand vous recevrez une notification. Alors par contre, j'espère qu'elle va pas vibrer trop fort parce qu'à mon avis, ça peut nous péter le doigt cette histoire. Et pour écouter la bague qui donne la réponse avec Alexa, il faut porter sa main à l'oreille, genre comme ça, quoi. Ça fait un peu Men in Black hein, quand même. Il y a beaucoup de journalistes qui se posent la question sur la viabilité de ce projet. Ça n'empêche pas Amazon de rêver un petit peu, mais quand même, ça serait bizarre de voir des gens dans la rue. Est-ce que aujourd'hui il va faire bon? Ça marche pas? Hello. Ça a un intérêt pour ceux qui veulent pas porter de lunettes avec les fameuses lunettes Amazon, là, les lunettes connectées. Et qui veulent pas porter d'écouteurs pour avoir un assistant. Voilà, et qui veulent un assistant discret sans utiliser le smartphone non plus. Alors cette bague va être commercialisée mais seulement sur invitation. Donc ça dépendra des gens, il y aura des gens qui seront sélectionnés pour l'avoir. Et proposé en trois tailles, bien sûr, small, medium et large, au prix de 130$ la bague. Donc c'est un grand défi de miniaturisation, faut tout miniaturiser, c'est absolument incroyable. Faut que ça tienne dans l'espace d'une bague, faut que ce soit très fin, c'est juste incroyable l'ingéniosité du truc. J'ai une magnifique photo que j'ai devant moi sur le site Journal du Geek. On voit le détail de ce qu'il y a à l'intérieur, c'est quand même assez ouf. Dans la description, je vous ai mis quelques liens sur cette bague, si vous voulez un petit peu plus d'informations, parce que là j'étais un petit peu sur le feu de... Hein. Donc dans la description, il y a des petits liens, vous pouvez aller voir, c'est des sites que j'ai pris comme ça sur internet. Si vous voulez un petit peu plus d'informations pour compléter la vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît, on est quasiment à 700 abonnés. 700 abonnés les mecs, je te pète le champagne. Là on y va, c'est parti. Donc 700, on y va, on s'abonne et on clique sur la petite cloche pour avoir les notifications et toutes mes prochaines vidéos. Suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux, je suis présent sur Facebook, Twitter et Instagram. Lien dans la description encore une fois. Et je vous laisse, c'était Seb, bon week-end, ciao ciao.